coordination départementale EDEA, de concert avec coordination communale Port de Paix, nous présentons la prison civile Port de Paix pour nous porter support nous à tous les prisonniers qui sont en prison. Présence nous, c'est un geste qui est très symbolique. Nous venons poser un acte humanitaire, une façon pour nous inviter et encourager toute notre structure politique, toute notre organisation, venir faire pareil que nous, parce que prisonniers ont une situation qui est extrêmement difficile. Nous connaissons un parti politique pas simplement là pour les vivre ou abattre simplement. C'est d'abord pour faire solidarité avec les gens qui peuvent faire face. C'est dans l'optique ça nous même aider. Nous connaissons flambeau, c'est dans nos mains que nous décidons aujourd'hui, venir prendre responsabilité nous comme citoyens dans la commune, pour nous accompagner directeur police pour venir porter support nous à prisonniers. Seulement, je ne dis pas aujourd'hui, nous faisons tout le temps parce que nous sommes aidés, nous là pour nous aider. Spécialement, nous pensons à prisonniers qui ferment en côté, donc qui ne peuvent pas déplacer. Donc nous avons une initiative là son façon pour nous aider aux joints dont ils mangent aujourd'hui. Moi-même je suis Denise en tant que jeune qui a travaillé dans le comité communal Port de Paix. C'est un plaisir pour moi pour m'accompagner au comité directeur départemental là justement pour nous capables de poser pour action ça. Parce que nous rendons compte après que les prisonniers ont même prigé peine, après qu'ils ont arrêté, il faut que nous capables de continuer le monde. C'est ça qui fait que dans l'optique ça, dans la mission sociale aider, choisir venir pour nous porter support par nous, pour nous aider. Alors, nous invitons tout le monde pour faire pareil, parce que nous avons plus bon moyen que nous capables d'améliorer la société, c'est de nous mettre un accent sur chaque couche sociale, c'est de nous mettre un accent sur chaque monde qui a vivant dans la société. Accompagner les jeunes, accompagner les prisonniers, accompagner les marchands, et c'est ça qui va nous faire en Haïti dans la dimension de l'histoire. Je dis, c'est 5 novembre 2022. Matin, nous sommes contents pour que nous soyons capables de présenter ici. C'est aider Port de Paix, c'est coordination communale Port de Paix, mélangé avec le comité directeur départemental IDEA, CDDA. Nous sommes contents pour que nous soyons capables de faire une contribution à prisonniers qui sont dans la prison Port de Paix. Parce que nous avons des vraiment difficile dans la rue pour que nous joindre nos bagages pour manger. Mais pour les gens qui sont dans la prison, c'est 4 fois plus mal. Alors ici, je tiens, c'est un plaisir pour nous dans une visite spéciale dans la prison civile Port de Paix. Nous sommes aidés, je dis, à nous venir nous juger nécessaire pour nous faire bagarre de l'autre façon. Pour ce que nous avons dans la prison civile Port de Paix, nous avons un prisonnier qui est en difficulté. Mais nous-mêmes, dans la logique aidée, hein, et nous avons nécessaire pour nous débattre une visite pour nous être capables d'aider. Sur le plan alimentaire. Nous venons dire normalement nous-mêmes qui centrons sur la justice sociale, qui essayons de voir, qui comprennent la situation, qui a vécu dans un état difficile, et nous venons dire que nous parions pour nous aider. Alors nous commençons avec la prison civile Port de Paix, mais l'initiative n'est pas prêtée seulement à partir de la prison civile Port de Paix, parce que nous sommes en route pour notre travail jusqu'à ce que nous arrivions à construire le pays d'Haïti à partir de sa glorieuse.